المشروع هذايا هو مشروع إن شاء الله طموح يتمثل في إنجاز وحدة للإنعاش لطب الأطفال في مستشفى شرنيكول. الوحدة هذه تكون مختصة في إنعاش الأمراض أمراض الكلى عند الأطفال، والوحدة هذه إن شاء الله باش تفتح لنا المجال لبرشا حاجات أخرين. إن شاء الله تكون هذه تجربة ناجحة باش تولي برشا تجارب أخرين إن شاء الله تجي بعديك، وخاصة في مجال الإنعاش في زراعة الكبد. والله البروجي هذا إن شاء الله هو بروجي هو ولا مشروع سباق إن شاء الله في تونس، ماهوش موجود في الوقت الحاضر، وتعوزنا احنا شوية الإمكانيات رغم الحاجات والإمكانيات اللي موفرتهم وزارة الصحة، ولكن يد واحدة ما تصفقش، يلزمنا الإعانة من المجتمع المدني ومن هالجمعيات هذه، ويلزمنا احنا نتعاونوا معهم باش نتعاملوا معهم بكل شفافية باش نعملوا في هذا مع الجمعية هذه اللي هي قلب النجاة باش نجموا نعملوا المشروع هذا اللي يفتح لنا آفاق كبيرة برشا. خاطر ماكم تعرفوا تو بالنسبة للطب، إذا كان طب ما فيش زراعة أعضاء أو طب ما ينجمش يتقدم. مدام ليلى معاوية اللي هي نعرفها معرفة بالكدا، جات مع مدام بيوض وحكينا في الموضوع وشفنا الحاجات اللي نجموا نعملوهم للبلاد الطيبة هذه، وشفنا أن صغيراتنا اللي هم عندهم قصور كلوي ومزمن اللي هم يلزمهم زراعة أعضاء، يلزمنا زاد نوفروا لهم كل الإمكانيات ونوفروا لهم كل الظروف باش تنجح الزراعة هذه. والإحصائية في تونس قديش تنجم؟ والله الإحصائيات في تونس هي عندنا برشا صغيرات، يمكن عندنا في العام من 30 إلى 40 صغير يلزموا زراعة كلاب، وعندنا من 10 إلى 20 صغير يلزموا زراعة كبد، ولذلك التحديات كبيرة ويلزمنا نحن نخدموا برشا في هذا المجال، ونخدموا يلزم نخدموا في القطاع العمومي، خاطر ما نجموش نحلوا للقطاع الخاص الحاجات هذوما، خاطر نخافوا من المشكل تجارة الأعضاء إلى غير ذلك. هذوما الكل المشاريع هذوما الكل تنجم تطور بينا وتطور بالمستشفى العمومي. Alors cette ONG est née du fait que moi-même j'ai un cancer. Ce cancer m'a bloqué au lit quelques mois à l'Institut Curie. Et lorsque j'étais allongée dans les soins intensifs, j'ai prié en disant « Ya Rabbi, ken qum minha ?» Je ferai à mon tour une œuvre humanitaire qui aidera les autres, parce que moi j'ai la chance d'être prise en charge et je suis en rémission aujourd'hui pour justement lutter pour les autres. C'est ma mission. J'ai vu une émission télévisée qui dépeignait de la peine des démunis tunisiens. Et d'un autre côté, une autre émission qui s'appelle Les Enfoirés, d'ailleurs, qui fait partie des Restos du Cœur, qui m'a donné cette idée. Je me suis dit, pourquoi pas en Tunisie? On en a besoin. Et j'ai créé, donc je suis venue exprès pour créer l'organisation internationale de votre banqueur, et qui est sortie sur le journal officiel après beaucoup de peine la semaine dernière, c'est-à-dire le jeudi. Et c'est déjà bien tombé parce que nous allons participer à un salon qui s'appelle le Salon international des solidarités le 12, 13 et 14 juin. C'est pourquoi je vais partir dimanche. L'hôpital Charles-Nicolle, on a été à l'unité des enfants malades du Rhin et qui passent plusieurs semaines, sinon qui passeraient leur vie à l'hôpital et dont la famille ne peut pas s'occuper parce qu'il leur faut 3 jours de dialyse par semaine à raison de 4 heures par jour. Et vu que leurs familles sont démunies et sont dans le sud, ils avaient besoin déjà de quelques petits secours qu'on a emmenés avec nous dans des sacs. Mais on a demandé à Dr Tahar Gergah qu'est-ce qu'il faut pour que ces enfants s'en sortent et qu'ils rentrent de façon durable chez eux. On a parlé de greffe du Rhin. Je lui ai posé la question, pourquoi ne les greffez-vous pas pour qu'ils rentrent chez eux? Il m'a dit, certains d'entre eux, c'est possible de les greffer ici parce que c'est juste un rein. Je lui ai demandé si le problème n'était pas un problème de donateur. Il m'a dit non, pas forcément, parce que les parents sont souvent disponibles pour donner un rein. Toutefois, ce qui est difficile, c'est la greffe hépatique pour certains cas. Il en a parlé tout à l'heure. Il a dit qu'il y a une dizaine de cas qu'ils envoient en France, enfin qu'ils souhaiteraient envoyer en France parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir en Tunisie, vu que la greffe n'est pas uniquement
du rein, mais elle est également du foie. Voilà. Donc, pour l'immunité, il leur faut une unité de, non point de secours, mais de réanimation, qui n'existe pas à Charles-Nicolle. Donc, chaque cas, chaque enfant coûterait à la Tunisie dans les 500 000 euros. Voilà. Et la CNAM ne peut pas prendre en charge tous les enfants. Donc, ils sont condamnés à mourir. Voilà. Nous ne souhaitons pas ça pour la Tunisie. Les enfants sont le futur, l'avenir de la Tunisie. Et donc, on a décidé que pour le prix d'un seul enfant, on peut faire une unité de réanimation à l'hôpital Charles-Nicolle qui fera bénéficier tous les enfants de Tunisie, hein, qui seraient greffés sur place. Donc, plus moyen de... Il n'y a pas de nécessité pour les envoyer en France, et c'est pour ça que c'est un projet qui me tient à cœur, parce que c'est un projet d'avenir, non point pour une fois, mais c'est un projet durable et pour tous les petits Tunisiens.